Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau job test sur Don't Starve. Alors, Don't Starve, on va commencer directement une nouvelle partie, parce qu'on s'en fout. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que j'ai installé quelques mods sur le jeu. Don't Starve est un jeu de survie, on va voir ça juste après. J'ai juste rajouté le patch FR, de quoi avoir le jeu en français. Ce mode là qui permet de savoir combien la nourriture vous restaure de points de nourriture, de vie, etc. Vous verrez, c'est très pratique. Et ça, qui certains diront que c'est cheaté, d'autres non, ça rajoute un slot pour le sac à dos. Voilà. Rien qui modifie le jeu. Hein. Absolument rien qui modifie le jeu. Ceux-là sont pas activés. Voilà. Donc, on va commencer directement une nouvelle partie. Le personnage, voilà, on va choisir lui. Donc, Starve, comme je l'ai dit, un jeu de survie. Et vous voyez que dès le début, on peut, dans son monde, modifier absolument tout. Par exemple, je sais pas, ouais, les arbres, on peut en mettre plus ou même beaucoup. Voilà, on peut modifier entièrement le monde que l'on veut. Nous, on va laisser le monde par défaut. Et puis, il y a également des personnages. Genre, j'en ai débloqué pas mal. Voilà, le dernier que j'ai débloqué, c'est celui-là. On va prendre le premier hein, pour commencer. Voilà. Allez, c'est parti. Ça va générer le monde. Donc, Don't Starve, un jeu de survie, un petit peu. Alors, je dirais pas qu'il fait peur, mais un petit peu, vous savez, comme dans les films de un peu de vampires, vous savez. C'est pas du tout un jeu qui fait peur, hein, loin de là. Mais c'est un peu dans le style des vampires, dont Starve ne répond pas, c'est parfait, voilà. Donc on a lui, mon petit gars, t'as pas l'air bien. Sans blague, tu ferais mieux de trouver quelque chose à manger, on va tomber de la nuit. Voilà. Donc c'est parti, ici on a tous les crafts. Notre barre, vous voyez qu'il dépasse un peu parce que justement on a rajouté ce machin là. On a la carte qui se découvre au fur et à mesure qu'on avance. On a ici le jour, l'estomac, la vie et la santé mentale. On va commencer directement à se déplacer. Alors on va prendre ça. Ah là on a des carottes, c'est cool. On va prendre la graine aussi, ça peut être utile. On va prendre la brindille. Dans ce jeu. Il faut absolument un feu de camp. Car si... En fait là il faut que je me bouge pour trouver des cailloux. Parce que si c'est la nuit et que j'ai pas de quoi faire un feu, je suis mort tout simplement. La nuit est mortelle. Parce que la nuit est noire. Votre écran est noir. Hein. Il est aussi noir que lorsque vous éteignez votre écran. C'est exactement ça. Donc là je récolte un petit peu tout ça. Qu'est-ce que j'ai là ? Alors je peux me faire une torche, mais la torche c'est pas non plus idéal. Faudrait qu'on trouve des rochers pour trouver du silex, pour se faire une hache, et avec la hache couper du bois pour se faire notre premier feu de camp pour la nuit. Là vous voyez il y a des chemins ici, lorsque je marche sur les chemins je vais plus vite. Par contre j'avoue que c'est pas top, hein. On n'a pas beaucoup de... Alors les rochers sont quand même assez rares. Ah voilà un silex, on peut trouver des silex... On peut se faire une hache, c'est cool. Vous voyez, une brindille, un silex, construire. Voilà, on a notre hache qui est directement équipée. On va se couper un petit arbre pour récupérer des bûches. Comme ça, on va pouvoir faire notre feu de camp. Et ensuite, on pourra un petit peu s'éparpiller et prendre d'autres ressources sans avoir le stress du feu de camp, en quelque sorte. On a également, vous voyez ici, des pommes de pin. Et si vous coupez beaucoup d'arbres sans planter ces pommes de pin, il y a un gros méchant qui va venir vous attaquer. On ramasse tout le silex qu'on peut. Voilà. Alors là, vous voyez, on a des oiseaux. Ici, il y a un petit lapin. On va pouvoir faire des pièges un peu plus tard. Enfin, je dis un peu plus tard, mais bon... ça reste un job test, hein. Mais je vais faire une série sur Don't Starve. Je vous en dis pas plus, mais je vais faire une série. On va couper un autre arbre. En bas, à gauche, là, on a un petit arbuste à baies. La nourriture est aussi très importante. Hein. Vous voyez les trois jauges ici, la vie, la santé mentale et la bouffe. C'est trois jauges assez dures à gérer. Ah, parce que je vous ai pas dit, mais si vous êtes mort, si votre personnage est mort, eh ben, la partie est finie. Voilà, le monde se supprime et c'est fini. Alors, il y a des manières de revivre. Si vous avez une amulette ou si vous trouvez un genre de podium. Alors ça, c'est un dindon, il fait rien. J'adore le bruit qui fait... Regardez. N'importe quoi. Voilà, donc il y a des manières de revivre, mais pas de manière infinie non plus. Hein.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout. Donc là, on se balade. Alors là, vous avez dû voir, il y a ce machin là. Voilà. Si je me mets, alors je peux sauter dedans, hein. Ça va pas me bouffer, ça va pas me tuer, mais ça va me baisser beaucoup la santé mentale et je vais atterrir à un endroit que je ne sais pas du tout où. C'est un genre de portail. C'est ça, c'est un genre de portail. Alors je récolte le maximum d'objets. Si on parlait un petit peu, j'allais dire histoire, mais c'est pas vraiment l'histoire. Don't Starve est sorti en 2013, donc ça fait un petit moment quand même. Hein. Et il est disponible sur PlayStation et PlayStation Vita depuis 2014. Vous avez vu, j'ai bien révisé ma leçon. Donc là, on est. C'est quoi? C'est le crépuscule, hein, c'est ça, ouais. Donc vous voyez, la santé mentale baisse légèrement. Bon, c'est assez léger parce qu'il commence à faire noir. Je ramasse des fleurs car. Quand le dindon. Alors on peut tourner comme ça, hop. Ouais, mais on se remet dans la position initiale pour pas être déconcentré. Pas être perdu. Donc on récolte le maximum d'items. Et puis il n'y a pas longtemps, Don't Starve est sorti en multijoueur. Oh, j'ai pas pu le tester. Hein. Je l'ai pas testé en multijoueur. Mais à mon avis, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, mais après, ça fait plus de bouche à nourrir, forcément. Je suis un petit peu le chemin. Alors là, par contre, c'est très noir. C'est peut-être possible qu'il faut que j'éclaircisse la vidéo. Parce que Don't Starve est un jeu quand même relativement sombre. Et je disais oui, les fleurs, je vais pouvoir me faire une couronne de fleurs pour me remonter la santé mentale. On récolte. Alors les stacks de c'est par 20. Voilà. On avance petit à petit. Du bois, j'en ai 8. Alors moi, généralement, on va faire notre feu de camp proche de l'eau. Par exemple, ici, comme ça, on va pouvoir bien scruter cet environ-là au cas où quelqu'un viendrait nous attaquer. Oula. Ah, alors ça, c'est cool. La bouse, c'est quand même assez rare. Ah, on a des rochers ici. Ça, c'est bon, ça. Alors, lui, tant qu'on l'attaque pas, il nous fait rien. Sauf quand c'est leur période de chaleur. On va faire le feu de camp. Quand c'est leur période de chaleur, par contre, ils vous attaquent direct. Hein, ils ont le cul tout rouge. Et vous attaque direct. On peut alimenter le feu en ajoutant du combustible, comme ça. Voilà. Donc, si on fait un petit peu l'inventaire. Ah, j'avais dit c'était 20, mais non, en fait, c'est plus. Là, vous voyez, Hunger 4,7, c'est le mode que je vous disais, ça nous restaure 4,7 points de faim. Ce machin-là. Ça nous restaure un peu de vie. 12. Alors, là, 9,4. Si on le fait cuire. Ah, ça passe à 12,5. C'est beaucoup mieux. Là, vous voyez, le jeu est extrêmement sombre. Hein. On va pouvoir mettre. Alors, je crois que les bouses. Voilà, ça fait du combustible, mais ça fait un feu énorme. On va en cuire 3. Bon, on va tout cuire tant qu'à faire. Et. Attendez voir. Voilà. Vous voyez, il y a une jauge verte qui descend ici petit à petit. Bon, là, la case est entièrement verte, mais ça descend petit à petit parce que chaque aliment a. Voilà, on en mange quelques-uns, à ce... Merde, comment on dit ça? Se détériore? C'est pas le bon mot, mais bref, j'ai perdu le mot. Enfin bref. Et du coup, au bout d'un moment, vous pouvez plus le manger parce que c'est plus comestible. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une pioche? Oui, on peut faire. Allez hop, on construit une pioche. Voilà. J'ai même pas vu le temps où on en était combat. On peut se faire un petit plastron. Ah, c'est toujours utile, on se le fait. Voilà, il est directement équipé. Voilà, pourquoi j'ai rajouté la case sac à dos? Parce que c'est soit vous portez un plastron, soit un sac à dos. Car à la base, il n'y a pas cette case. Et du coup, moi, je préfère porter le plastron et le sac à dos. Bon, voilà. Hein. Le sac à dos, d'ailleurs... Ah, ici, on a un petit piège à lapin. Bon, on va pas le faire de suite. Le sac à dos... Ah, c'est le jour. Donc on va prendre notre pioche, hop, clic droit, et on va miner ce petit truc là. Avec un peu de chance, on va trouver de l'or. Alors ça c'est pas de l'or, mais on ramasse quand même. On a de la roche.
le petit monsieur là, il nous a fait une petite bouse qu'on ramasse. On peut abandonner le feu de camp étant donné que c'est un feu de camp en bois. Ah, là s'il y en a une bouse, il doit y avoir un autre. Oh, il y en a plein. Et les bouses sont très bien pour faire de l'engrais lorsque vous avez un plot pour faire pousser vos graines. Ouah, plein de bouses. Bon, on va pas tout ramasser parce que bon, ça reste un job test. Lorsque je vais faire la série sur Don't Star, je vais faire un nouveau monde forcément parce que pas tout le monde regarde les job tests. Oh, c'est con, on a un super monde quand même là. On visite. Si on regarde un petit peu la carte où on est. D'accord, oui. Bon. On ramasse, mais ça. Bah, si on remarque, ça pourra nous servir pour le feu. Du coup, on va le ramasser pour le feu étant donné que c'est un job test. Mais si vous faites vraiment une partie, évitez le feu quand même. Hein. Parce que les boosts peuvent être utiles à autre chose. Par contre, il n'y a pas beaucoup de rochers. Hein. Logiquement, dans ces trucs, il y a plus de rochers. La faim qui descend un petit peu, on va en bouffer deux. CB là. Il n'y a pas grand chose ici. Il n'y a pas grand chose. On va s'éloigner un petit peu. On va revenir un petit peu sur nos pas et on va chercher voilà plus dans ce côté-là pour voir s'il n'y a pas des rochers pour se faire la machine de science qui est à peu près l'équivalent de la table de craft dans Minecraft. C'est à peu près ça. Donc on va y aller. Sauf que alors il y a dans ce jeu c'est un peu comme s'il y avait deux tables de craft mais elles sont assez complexes à faire hein. Et forcément ça débloque de nouveaux items. On va prendre le chemin, ce sera plus rapide. Enfin, un petit peu plus rapide. Y a pas des petits rochers? C'est la dèche. Hein. Y a pas des petits rochers? Bon, on continue par là. Ah, quand même! Ah, et puis y en a un autre en bas. Un petit. Non, bon. Pas d'or. Tant pis, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, mime. Oh! Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si j'active ce truc-là, voilà, pierre de résurrection. Résurrection. Tadam! Et voilà, maintenant si je meurs, je vais pouvoir respawn ici. Alors, ça marche qu'une seule fois par contre. Hein. Voilà, et puis ça c'est quand même assez rare. Hein. Donc là, je peux me permettre de mourir sans avoir trop de stress, entre guillemets. Alors qu'est-ce que ça nous a débloqué? Ah voilà, on peut faire maintenant un feu de camp avec des pierres et le feu de camp reste. Ça veut dire qu'on a juste besoin de l'alimenter et pas de refaire le feu de camp à chaque fois. C'est l'avantage des feux de camp en pierre. Alors l'avantage c'est de rester quand même assez proche de cette pierre de résurrection. Bon là comme je vous ai dit c'est un job test. Hein. Donc pas vraiment besoin. Parce que dans ce jeu il y a l'hiver qui arrive et quand c'est l'hiver votre personnage a très froid et c'est la dèche. Vous pouvez presque pas vous promener entre guillemets parce que votre santé baisse petit à petit à cause du froid. Vous pouvez vous faire une doudoune si vous trouvez un éléphant. Ça ressemble à un éléphant, ça s'appelle pas vraiment éléphant. Oh, il y a un cadavre là, on a des cordes. On va ramasser. Examiner. Plutôt lui que moi. Ah, il y en a une torche. Qui a 23%. Ah, la nuit va pas tarder. Alors là, le jeu commence. Puis après, je crois qu'on va être en été. Hein, c'est-à-dire que les jours sont beaucoup plus longs. Ici. Et après, c'est l'hiver. Les jours sont courts. Donc il y a beaucoup de nuit. Déjà que la nuit, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Et en plus de ça, quand c'est le jour, c'est la dèche. Parce que. Et je suis revenu sur mes pas là. Ah non. On a bien voyagé quand même. Hein. On voyage petit à petit, tranquillement. Je fais un mélange de tranquillou et de tranquillement. Ce qui donne tranquillou, voilà. Bon, la mer, vous pouvez pas sauter dedans. Hein. C'est un peu la limite de la map, en quelque sorte. Alors, l'hiver, c'est marrant parce qu'il y a des pingouins qui sortent. Ah, par contre, niveau bouffe, c'est pas top. Hein. Et le jeu s'appelle Don't Starve. Starve qui veut dire affamé. Et donc, Don't Starve, ne pas être affamé. Hein. Le nom du jeu, c'est ça. Est-ce que je peux me faire ma petite... Oh putain, il en faut 12. J'en ai 7. Donc là, ça fait 8.
Ok. Ok, ok. Puis après, comme d'habitude, en fin de vidéo, on va parler de la config PC qu'il faut avoir pour jouer à Don't Starve. Alors là, il y a quasiment tout le monde qui peut jouer. Hein. C'est vraiment un petit jeu... Putain, j'étais là, j'ai vachement monté là. Du coup, on va continuer en haut. Voilà, on va bouffer ça quand même. Hein. Alors ça, c'est à 12,5 et on va voir à combien c'est lorsqu'on le fait cuire. Ouais, et justement, ces graines... Alors, les graines, elles apparaissent lorsqu'il y a un oiseau. Et ces graines, on peut faire pousser des choses avec. Et le mieux, c'est d'avoir une mijoteuse qui permet de faire des super plats. Qui restaure 100... On voit vraiment rien. Même moi, j'ai du mal à voir, c'est pour vous dire. Ah, là, il y a des baies. On va faire notre feu de camp ici. Parce qu'il y a pas mal de choses, là. Est-ce que je peux annuler? Si je fais un clic droit? Ouais, c'est bon, ça annule. On va faire le feu de camp en pierre, tant qu'à faire. Un petit foyer. Voilà, alors, on va vite prendre ça, là-bas. Oh, il y a plein de baies. Vite, vite, vite. Bon, celle là-bas, on n'a pas le temps de la prendre. On va prendre les fleurs ici. Voilà. Oh, la petite carotte là. Oh, petite carotte là. Et vite, 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 vite. Vite. Voilà. Hop. Le petit silex. On va mettre un peu de bois. Oula, j'ai plus que ça. Bon, regardez ce que je vous disais. La petite bouse dans le feu. Wallé. On a méga feu. On va prendre notre hache qui est là. Donc comme je le disais, Don't Starve est un jeu qui est très facilement accessible, il coûte 15€, donc ça va. 15€, moi je l'avais acheté presque dès sa sortie. Et bon, il y a des patchs avec d'autres musiques qui coûtent un peu plus cher, mais bon, voilà. 15€, ça fait l'affaire. Et puis un monde souterrain, enfin franchement il est pas mal. C'est un petit jeu bien sympa. Par contre, ce qui est chiant, voilà, c'est qu'une fois que vous êtes mort, bah, faut recommencer à zéro. Et puis, il y en a qui arrivent, par exemple, au jour 50. Et puis, bah, ils sont un petit peu dégoûtés. Forcément, hein. Alors, ce qu'on peut faire, un petit piège à lapin. Je sais pas trop. Pas faire grand chose, hein. Bon, c'est bientôt. Ah, bah, si, on va cuire nos trucs, hein. On va cuire les carottes aussi. Je sais pas vraiment où on en est dans l'épisode. Donc, je fais cuire ça. Puis on va parler un petit peu de la config PC et mon avis sur le jeu, comme d'habitude, hein, c'est le principe d'un job test. Attendez, 2,5 est là. 2,5. Ah, mais par contre, ça donne plus de vie. Lui, il en donne 1 et lui, il en donne 3. C'est toujours mieux de cuire de toute manière. Voilà. Voilà, donc, allez, on va parler de la config PC maintenant. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Don't Starve est un jeu très accessible. Déjà, la taille du jeu, il fait 500 MO. Tout le monde a minimum 500 MO sur son ordinateur, j'imagine. Et puis, même s'il y a quelques mises à jour futures, ça sera allez, maximum 1 giga peut-être. Bon, voilà, hein. 1 giga, c'est facile à libérer. On va parler que de la config minimum, car j'ai pas trouvé la config recommandée. Mais bon, tout le monde peut jouer à Don't Starve. Vous allez voir, déjà l'OS, que vous ayez Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, c'est bon. Le processeur, Intel à 1,7 GHz. Maintenant, tous les processeurs, ils ont plus d'1,7 GHz. Même si c'est 1,7 GHz, ils seront toujours plus puissants que ceux d'avant, donc c'est bon. La RAM, il faut 1 giga. Bon, la plupart des PC, maintenant, ils en ont 4, donc c'est largement bon. Et la carte graphique, Nvidia GeForce 6600. Bon, je sais pas tellement à quoi ça correspond, mais voilà. Tout le monde peut faire tourner dans Star. Si je dis ça, c'est parce que sur mon ancien PC portable, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous savez que mon ancien PC portable, c'est de la bouse, voilà. En gros, c'est ça. Enfin, il tient la route, mais bon, c'est chaud quand même. Et donc, Don't Starve tournait sur ce PC-là, donc c'est très bien. Et mon avis sur le jeu, alors, point négatif. J'ai dû un petit peu chercher, mais j'en ai trouvé un. Au bout d'un moment, quand on joue beaucoup... Vous pouvez faire énormément de choses, hein. Vous avancez beaucoup dans le jeu et ben, au bout d'un moment on s'ennuie, on sait plus trop quoi faire. Donc que faire après 8415 heures de jeu? J'exagère quand je dis ce chiffre là, mais après au final ce qu'il faut faire c'est trouver de la bouffe, la faire cuire, ce genre de truc pour pas mourir de faim. Voilà, après le jeu est un peu répétitif, donc c'est le point négatif que je mettrai. Parce que le plus amusant c'est vraiment au début quand vous tuez les mobs et tout ça.
Mais après voilà, c'est un petit peu chiant. Les points positifs, bon bah forcément tout le monde peut y jouer, hein, comme on a vu la config PC à l'instant. Tout le monde peut y jouer, puis bon, un autre point positif, c'est tout simplement l'originalité du jeu, car bon, même si certains diront que ça reste un jeu de survie, les décors sont sympas, c'est... J'ai trouvé le jeu sympa, voilà. Et donc, mon avis, je vais mettre la même note que j'avais mis à Euro Truck Simulator 2, qui est la note de 13. Car, bah, un peu comme Euro Truck, j'aime bien y jouer, voilà, une heure, et peut-être deux heures, mais... passer ce temps-là, ça va pas me saouler, mais bon, je préfère arrêter, quoi, voilà. Donc, c'est pour ça, 13 sur 20, qui est déjà, pour moi, je pense, une bonne note, hein. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, il y a bientôt une série sur Don't Starve qui va venir. Voilà, incessamment sous peu. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao !